Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, j'ouvre le vlog, il est super tard parce qu'on a fini le déj et tout. Il est genre 13h et je suis tellement à l'arrache que je viens de frotter mes yeux en ayant oublié que j'étais maquillée. Et oui, et cet enfant? Et ben cet enfant, elle a le nez qui coule encore, elle est toute ronchonchon. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour moi. Elior est en train de jouer, mais elle va sortir avec une copine au parc. Ellie? Ellie? Viens voir mon amour. Tu nous montres ce que la petite souris elle t'a rapporté? Viens vite me montrer. Oh, mon petit chien! Et tu m'as pas dit comment tu l'avais appelé ton petit chien? Caramel! Ah bah oui, on est bête. Ah bah super. Tu vas aller au parc? Hein? Ah, caramel, caramel et beurre salé. Caramel vanille, ah bah oui, c'est ses couleurs, hein. Oh là là! Oh là là, c'est mercredi. Hein. Ouais. Eh ouais, le trou des dents, mon amour. Tu enlevé à l'école. C'est Sabine qui m'a donné le courage en disant Juliette. Oui, la Juliette. fille de Sabine. D'accord. Quand j'étais petite, elle l'a enlevée toute seule, seule. J'ai fait pareil. Nous, il t'a fait pareil. C'est drôle pour elle. D'accord, mon cœur. Merci de nous avoir raconté ton histoire. Je vais vous montrer une chose qui va avec. Attendez-moi! Elle est toute contente d'aller au parc avec sa copine. Là, elle va pas tarder à y aller. Comme ça, Rachel, elle va peut-être pouvoir dormir. Mais comme il y a le voisin qui s'amuse, enfin, qui s'amuse. Il y a un des voisins qui, comme tous les 2-3 mois dans cet immeuble, fait des travaux. Rachel a pas pu dormir plus de 30 minutes ce matin. Alors, normalement, c'est là où elle dort le plus. Alors, fais voir. La laisse. La laisse, oui. Mais tu vas y arriver, mon amour. J'ai confiance en toi, moi aussi. Ouais, trop bien, tu vois, c'était pas difficile du tout, pour toi, la petite laisse. Faudra qu'on la rallonge, cette laisse. Faudra qu'il y ait plus de hauteur. Oui. Oui, Oui, on demandera à Vonette ou à Mamie. Bon, alors ça y est, Lyra vient de partir au parc avec sa copine. Je vous raconte pas le look, je sais pas si vos enfants ils font ça aussi. Mais du coup, elle a un bandeau en mode bandeau de... Oh. Bon, je vous raconte le look de Rachel et je nettoie tout ça, de Elior et je nettoie tout ça. Donc elle a un bandeau au milieu du front fleuri que j'avais fait quand elle était petite en mode bandeau de Rambo. Elle a un t-shirt licorne avec un leggings gris, des chaussures Nike rose fluo. Elle a un look coco quoi. Un vrai look de coco. Je suis morte de rire, mais c'est elle qui a choisi. Oui, mon amour, assis-toi. Là maintenant, je vais faire dodo à cette poupée. Je suis ravie. Elle est fatiguée en plus. Elle veut pas dormir là. Là, elle veut dormir maintenant. Mais jusqu'à maintenant, elle voulait pas dormir là. Là, je pense que je vais pas mettre longtemps. Elle appelle le néné là. Elle appelle le néné. Bon, allez. Vraiment, c'est une journée maudite. Donc là, les travaux viennent de reprendre. Rachel, elle ne veut pas s'endormir. Et tout le temps que j'ai essayé de l'endormir, il n'y avait plus un bruit, plus de travaux. C'était certainement la pause déj. Journée maudite. Donc j'ai grave du taf. Et je vais pas pouvoir faire mes rendus à cause de ce bruit-là, je pense. Mais c'est pas grave. J'ai reçu de la part de Panier Complet un super panier de fruits et de légumes frais. Je suis trop contente. Je vous ai montré un peu tout ça sur Insta. Mais pour ceux qui me suivent pas sur Insta, il faut aussi que je reprenne. C'est difficile. Je peux pas m'exprimer. C'est difficile pour moi de faire des doublons en story et en vlog parce que tout le monde n'est pas sur Insta, tout le monde n'est pas sur YouTube. Donc il faut que je reprenne ce réflexe parce que sinon je montre pas tout. Enfin bref, du coup, ce bébé-là veut pas dormir. Et j'ai vraiment, en tout cas, il faut vraiment que j'avance sur mon montage et après le tournage. Mais je ne sais pas à quelle heure ils vont terminer les travaux pour aujourd'hui. Je sais pas à quelle heure ils arrêtent. Hop! Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'ordi sur la table basse. Et là, je suis tellement contente qu'il y aura ce au parc avec sa copine. Mais ça y est, il pleut, donc il y aura va rentrer. Voilà, je vous ai dit, journée maudite. Moi aussi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est bon? Elle se rebondit ici. C'est pas vrai, cet enfant. Bon, Elior, elle est en train d'écouter un livre audio de La Reine des Neiges sur Audible. Et en même temps, elle fait son cinéma là, en regardant juste l'écran de l'iPad. C'est bête, c'est bête. Bon, moi, du coup, je vais ranger là tous les produits frais que j'ai reçus de chez Panier Complet. C'est trop chou, donc je vais ranger ça. Et ça me paraît du coup l'occasion idéale pour faire un peu 2000 prep. Donc je vais sortir mon robot avec Rachel Lou dans le dos.
pour découper ce que j'avais découpé, voilà. Quelques petites choses à faire, mais je vais pas les faire tout de suite parce que Eliora et Rachel elles en peuvent plus. Avec Eliora, on a mis donc le saumon à mariner. Ce sera pas du riz mais des pommes de terre. Ok, ce sera pas du riz mais des pommes de terre. Donc là, je les ai mises dans l'eau en fait pour qu'elles s'oxydent pas le temps que je mette ce soir à cuire tout au four. J'en peux juste plus du bruit des travaux là, ça me rend dingue. Mais bon, ça c'est tout le temps le même problème et c'est tout le monde qui a le même problème. C'est l'heure de passer à la table. Oui, ils sont bavards et sales. C'est le même que celui de ce midi, donc forcément il est un peu sale. Tiens, là c'est plus trop chaud. Tu peux manger. Donc ça c'est poisson blanc épinard ce soir. Oh oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Eliora, elle mange des petites carottes en attendant le saumon et les pommes de terre qui sont en train de cuire au four. Tu sais, c'est toi qui l'as fait le saumon. Hein, tu te rappelles, mon cœur? Oui, mais je l'ai pas mis. Non, tu l'as pas mis au four. C'est maman qui l'a fait, c'est dangereux encore. Je l'ai pas mis dans le plat. Mais bah si, tu m'as aidé pour le deuxième. Oh là là, ce caractère. Oui, toi, tu manges bien. Comment le saumon que t'as fait? Trop bon. Qu'est-ce que je vais manger que ça? Tu crois que tu vas manger que ça? Pourquoi tu fais les yeux comme ça? C'est tellement c'est bon. Oui. C'est ça. Bon, alors on la garde la recette de cette marinade? Oui. Trop bien. Et toi, c'est bon aussi le poisson blanc avec les épinards? Eh oui. Oui, oui. Elle mange tout ce que je lui donne. Oui. Hop. Elle en a plus dans la cuillère. Dans la pré-spoon. Ouais, ça fait exprès qu'il y a des. T'en veux plus, mon cœur? T'en as mangé beaucoup déjà? C'est délicieux, hein. C'est surtout encore. Je sens que la cuillère, elle va voler surtout. Il y a le canapé qui est pas très loin. Ça me fait un petit peu peur. Oui, c'est bien, je crois pas. On a, il se passe un truc ce soir. Il est pas 22h et nos deux enfants dorment et on va regarder une série quasiment à l'heure à laquelle elle est diffusée et pas 2 heures après. Louis, il est déjà en position, la position de l'homme. Ça faisait longtemps, tiens, qu'on n'avait pas vu la position de l'homme. J'avoue que c'était ton ventre, mais c'est ton genou. J'ai cru que c'était mon ton ventre. Ah, d'accord. Et moi, je vais corriger mon planning de repas de la semaine parce qu'à chaque fois que lui a écrit un truc dessus, je fais pas ça. Donc, je vais essayer de refaire. Il me revient pas. Mais quand tu as le blog matin, ça sert à rien de toute façon. Je suis en train de bailler toutes les 2 secondes. L'autre, il fait genre, il s'est endormi. On va regarder. On va essayer. C'est quoi le nom de la série? Prodigal Son. Prodigal Son, voilà. Qui recommence là. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Bye bye.